Bonjour, je suis Louis Aguera et je suis à la plage de Las Teresitas à Tenerife. Aujourd'hui, je réponds à la question de Massiste Evolution. Comment chasser le mental qui part dans tous les sens pendant les méditations et avoir un bon ancrage? Si vous avez des problèmes à vous centrer et à être présent dans le moment, vous pouvez faire 10 à 15 minutes de respiration profonde avant de faire votre séance de méditation. Si vraiment vous avez de très gros problèmes avec cela, d'être centré et présent, vous pouvez également faire vos méditations le matin, car l'énergie du matin, très tôt le matin quand on se lève, est propice à la méditation. On n'est pas encore dans la journée, on est plus calme et c'est plus facile de méditer à ce moment-là. Donc je recommande d'une part de faire vos méditations le matin et d'autre part de faire 10 à 15 minutes de respiration profonde abdominale. Vous pouvez vous renseigner sur internet, rechercher respiration profonde abdominale. Et également, vous pouvez également ajouter à cela la pratique de la relaxation progressive qui consiste à étirer ses muscles et à être plus détendu. Ceci permet d'avoir un esprit plus centré qui est prêt à la méditation. À la deuxième question, comment chasser le mental? Eh bien, je ne recommande pas de chasser le mental car on n'échappe pas à soi-même. Le mental est une partie intégrante de notre être. Il est préférable d'accepter la manière dont sont les choses. Les pensées et les émotions ne sont pas réellement le problème qui limite une méditation profonde. C'est réellement d'investir son attention dans ses pensées, dans les émotions qui causent le problème. Dans ce cas, ce que je recommande, c'est simplement de laisser passer les émotions et les pensées comme des nuages. Et tout ira bien et vous pouvez méditer profondément. Vous remarquerez que sur le long terme, vous arriverez à méditer même quand il y a du bruit autour de vous ou quand vous êtes dans un lieu public. Ce n'est pas réellement les pensées qui causent le problème. C'est réellement de faire attention, d'investir son énergie dans ces choses-là. Donc simplement détournez votre attention et tout ira bien. Aussi, sur le long terme, pour réduire l'emprise du mental, ce que vous pouvez faire progressivement est de lâcher prise sur s'inquiéter, car s'inquiéter est une grosse source de pensées inutiles, on va dire, de pensées peu productives. Ensuite à cela, vous pouvez lâcher prise sur le fait de vouloir comprendre ou changer. C'est également une grosse source de pensées et d'énergie. Et aussi lâcher prise sur vouloir faire quelque chose. En fait, c'est une trinité, donc on a d'abord un problème, on s'inquiète, et ensuite on cherche une solution, on veut comprendre, et ensuite on veut faire quelque chose. Et c'est un cercle vicieux qui taxe notre énergie et qui nous cause beaucoup de soucis. Donc la personne intellectuelle, on va dire, aura tendance à chercher des solutions dans le monde, en dehors de soi-même, à s'inquiéter, vouloir comprendre, vouloir changer, vouloir contrôler les choses. Tandis que la personne plus intuitive, plus spirituelle, aura tendance à laisser une réponse venir de l'intérieur et prendre des actions inspirées. Les actions inspirées sont des actions vraiment qui conduisent à votre destination de manière bien plus rapide que si vous essayez de comprendre les choses avec votre ego. Donc j'espère que cette réponse vous a été utile. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me laisser vos questions sur Twitter et je m'efforcerai d'y répondre dans une prochaine vidéo.